Bon, on reprend sur le Deleting TFSI, hein, comme d'hab. Donc, j'ai remonté les cartes à description pour ne pas le remettre sur le support. Là, on va monter Turbo. Alors, tout ce qui est Turbo, de l'autre côté, tout ce qui est admission. Là, au-dessus, le cache-culbuteur, pour juste que je lui fasse un coup de propre. Cache-culbuteur avec un joint tout neuf. Devant l'admission, mais avant ça, je vais monter tout ce qui est accessoire, tout ça. Modine d'huile, tout ça. Ensuite, Turbo, tout le reste, quoi. Donc je te passe ça en accéléré. Ah ouais, je vois un spi ici avec la flasque. Voilà. Et puis voilà. Donc là, je te passe ça tout ça en accéléré. Et puis voilà.
Are you listening? Damn. Thank you.
voilà, petite mise à jour. Bon, t'as vu tout ce que t'as vu en accéléré, bah, je vais te faire un petit détail. Donc j'ai monté le turbo. Il me reste le graissage à monter ici. Ici, le tuyau qui va là, changer le petit joint qui est là. Il va dans le trou qui est... là-haut, ici. Tac. Le retour d'huile, ici. Là, il y a un tuyau de graissage, je pense que c'est l'arrivée d'huile qui vient là, jusque là. Ensuite, il va me rester à trouver les vis de la pompe HP, que je n'ai pas. Mais il va falloir que je trouve des vis de pompe, enfin des vis d'origine. De toute façon, j'ai ce qu'il faut dans une boîte. Là, c'est... Et alors, dedans, il y a 95% de vis Volkswagen et 5% de la Mégane des Resdalen. Tout ce qu'on n'a pas mis pour alléger la voiture. Quelques petites jurides d'eau comme ça, montées. Ça, c'est pareil, c'est pas moi qui ai démonté ça, donc je sais pas où ça va, mais je vais bien trouver. Là, il y a des jurides d'eau, c'est moi qui ai démonté ici, hein, qui viennent de là à là, qui passent devant comme ça. Celle-ci, elle va sur la durite qui passe devant. Donc voilà quoi. Là, je vais devoir recharger le filtre à huile, je l'ai nettoyé ce matin, le bloc là. Puis voilà, un kit courroie. Bon, les galets, je vais pas les changer parce qu'ils ont rien du tout, ils n'ont pas de jeu. Ils ont pas de jeu, ils font aucun bruit, tout ça, donc ça sert à rien de changer des pièces qui n'ont pas besoin d'être changées. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ensuite, je vais coller 5 bougies. Les bobines, elles sont toutes neuves, parce que en pensant que c'était la panne, il a changé bougie et bobine, et moi, les bougies, j'ai pas fait gaffe, je les ai passées à l'ultrason, enfin, elles ont pris un peu de limaille, de rectif, de culasse et tout. Mais du coup, on va partir sur 5 bougies, hein, c'est pas ce qui. Au point où on en est, ça vaut rien. Donc voilà. Et encore, je dis ça, mais il s'en tire bien. Moi, je trouve super joli ce moteur. Déjà, d'une part, parce que je pense avoir fait un boulot propre. Ça me plaît. Je suis content de ce que j'ai fait, déjà, c'est le principal. Et même, je le trouve joli, putain, avec le petit cache-culbuteur rouge comme ça. Avec le petit insert en carbone ici, donc c'est du vrai carbone. Avec la pipe couleur un peu grise comme ça. Enfin, moi, je trouve ça super. Je le trouve vachement joli ce moteur, de manière. Quand tu ouvres le moteur et tu vois juste ça. Ah, je trouve que ça fait... Moi j'aime bien. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout hors caméra là. Je vais remonter tous les accessoires qui sont là. Enfin tout ce qui est du rideau, tout ça, ça va me prendre du temps. Toi, il y a tous ces tuyaux là attachés. Tu vois ces tuyaux là, faut que je les attache. Là aussi, donc faut que je trouve comment ça s'attache tout ça. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Puis finir le tout ce qui est au niveau du turbo, puis voilà. Hein. Prochaine étape, c'est le montage dans le compartiment. Et après, c'est le démarrage, c'est l'essai, quoi. Ouais, je suis impatient, quand même. Bon, bah voilà, le moteur retour à l'établi. Là, je l'ai posé sur l'établi pour pouvoir serrer le volant moteur. Donc, j'ai remis la cible pour le PMH qui va derrière, avec les petites cales de jeu axial, là. Enfin, les petites cales d'épaisseur qui sont juste derrière le volant moteur et entre la cible PMH et le vilebrequin. Enfin, il y a deux petites cales d'épaisseur. Là, on va maintenant remonter la boîte, la serrer, puis tout remettre par terre. Donc, voilà. Elle est crevée ? Ouais, je vais bien se dégonfler. Sont les plaques, je vais cacher les plaques. Tu fais des bêtises toi encore ? Ouais. C'est quoi ça ? Fais ton panda ? Papa il regarde. Papa il regarde. Est-ce qu'il s'est volé panda ? Non. C'est pas une photo hein ? Est-ce que le panda s'est volé? Faire attends. Est-ce que si je lui mets un coup de pied derrière, il va voler plus? Non, oui. Voilà, le petit RS3 est arrivé. Comme tu as vu, j'ai filmé le déchargement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le berceau comme le garage avait fait. Donc j'ai déjà commencé à démonter, mais j'avais pas filmé. Petite découverte du garage. Il a découpé la biellette de Barça parce qu'elle était certainement grippée. Ouais, c'était là. Tu vois, elle est desserrée, mais elle était grippée. Hé! Tu vois, elle était certainement grippée, du coup, bah, il l'a coupée, enfin, il a préféré la couper. Donc, ensuite, je vais ramener le moteur ici.
Je vais baisser la voiture, lever le moteur avec la chèvre, et puis attacher le moteur au support, et puis après remonter le berceau, mettre la ligne, enfin mettre la ligne avant, monter le berceau, ça sera plus simple. Donc voilà. Allez, go! Alors là, ce qui est le plus compliqué, c'est de bien viser, tu vois. Donc là, je pense qu'il va pas être trop mal. Bien viser, de le mettre dans le bon sens, surtout. Là, il va falloir que j'enlève le support moteur qui est à gauche, là. Parce qu'en fait, il va me gêner pour... Si je descends en fait la voiture, le châssis va se poser sur le support, donc c'est pas le but. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce support-là. Enlever le vase d'expansion, enfin le mettre sur le moteur pour pas que ça me gêne. Et surtout mettre les deux courroies d'accessoires. Je fais ça hors caméra, vite fait, et puis... Je descends la voiture, si on peut l'accrocher vite fait le moteur, ça serait cool. Allez, go. Bon, alors il est pas du tout, mais alors pas du tout à sa place. Là, il faut que je le ramasse carrément vers l'avant. Là, ce que je vais faire pour pouvoir descendre encore plus bas, il va falloir que je démonte les 4 roues. Là, je vais démonter les 4 roues, comme ça je vais pouvoir descendre le plus bas possible. Et puis avec la chèvre, j'espère que je pourrai l'attraper. Ça serait peut-être bien que je puisse l'attraper avec la chèvre. Et puis après, on l'attache sur les supports. Ouais, donc voilà, c'est parti. Donc voilà comment je vais procéder. Donc en faisant bien attention à la carrosserie. Soulever ça, pour pouvoir attacher les 3 vis qui sont là, en bas sur la boîte là. Et ensuite pouvoir y mettre le support moteur ici. Donc voilà quoi.
Voilà, moment de vérité. J'ai rebranché tout le faisceau électrique, calculateur, démarreur, les masses moteur. Là, j'ai mis l'huile dans le moteur, j'ai pas mis les bougies, on va amorcer ça tranquillement. J'ai rebranché le conduit d'essence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai remis le plus qui est juste ici là, celui du milieu, les masses moteur. Je vais remettre la batterie dans le coffre. Et puis voilà quoi. Là, je vois qu'il n'y a rien de branché. Bon, ça c'est bon. Bon, quand je te disais que j'avais mis toutes les masses, en fait, non, il m'en manque une. Donc, j'ai même pas essayé de démarrer parce que quand j'ai réfléchi, tu vois, l'écrou gris qui est là. Celui-là, voilà. Je te mets une petite flèche. Et ben là, normalement, t'as la masse qui va de la batterie au châssis. Et du châssis, d'ici, normalement, ça devrait repartir sur l'écrou qui est là, en fait. Et en fait, je pense que quand ils ont démonté le moteur, bah, ils ont oublié de le mettre. Donc, il va falloir que je me fasse une masse moi-même, que je me fabrique une masse pour aller de là à là. Donc voilà, je fais ça et puis après, je pense que je vais juste mettre un câble de batterie, tu sais. De la masse châssis à la masse moteur directement. Je peux la mettre n'importe où sur le moteur du moment que c'est une bonne masse bien propre. Et puis voilà, hein, c'est tout. Eh bien non, elle est là. Je l'ai retrouvée dans un carton qui m'a été déposé avec les pièces. Bah, du coup, go monter ça. Hein. Au moins, ça peut démarrer là. Bon, bah, c'est parti, on va amorcer en huile. Bon, un peu la pression quand même parce que. Bah, c'est un moteur que j'avais jamais fait, enfin que j'ai jamais fait du coup. Bon, si t'entends des bruits de klaxon, c'est normal, il y a un mariage qui est en train de passer là. Ah, il y a toujours des fails, hein. J'ai oublié de serrer un tuyau de pression. On voit ça sans l'essence un peu. Et j'avais oublié d'enlever une bobine, donc elle a sauté. On va vérifier l'autre quand même. Allez, deuxième essai. Bon, déjà ça tourne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le niveau d'huile, voir si ça, la pompe à l'huile a tout aspiré, mais je pense que oui. Et puis en espérant qu'il y ait assez de batterie, sachant que ça fait 3 ou 4 mois qu'elle n'a pas démarré. Et puis go, hein. Ça va, j'ai pas trop la pression, franchement, je suis plutôt confiant. J'ai pas trop la pression sur ce moteur. Donc là, c'est bon, je vais remettre, je vais contrôler le niveau d'huile. Si c'est ok, je refais le niveau, enfin si ça a aspiré, je refais le niveau d'huile. Bougie, bobine et on démarre. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai remis les bougies. Je vais maintenant serrer ça au couple. 30 Nm. Voilà. Ça, c'est bon. On vient replacer les bobines.
Alors, j'ai juste remis ça comme ça. Ça, c'est bon. Donc, le moteur, il risque de bouger un peu. Donc, c'est pas très grave. Voilà, c'est parti, hein, premier démarrage. On n'a plus de batterie. C'est parti. Oh, le bruit. Oh, ce bruit de 5 cylindres. Je suis trop content, mon gars, je suis trop content là. Bon, je vais pas être trop confiant non plus parce que la bataille n'est pas terminée. J'ai pas encore roulé avec, mais je suis très content que ça démarre. Bon, comme t'as vu, il a bien démarré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, je suis dans le montage, là. Là, je fais un petit débrief de fin, comme ça plaît à beaucoup de monde. Prochaine vidéo, on va monter tout ce qui est durite de refroidissement. Le berceau, tout ce qui est boîte à air, enfin tout, vraiment tout l'intégral. L'arbre de transmission, l'échappement, les taux par chaleur de l'échappement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Remonter les roues, il y aura la vidange de boîte, donc j'en ferai une vidéo dédiée sur la vidange de boîte. Et parce que quand en fait quand j'ai récupéré le moteur, le filtre à huile de la boîte avait été démonté. Donc il y a de l'huile qui avait coulé. Donc comme dans ces boîtes là il faut une quantité bien précise d'huile de boîte pour que ça fonctionne, pour que les vitesses passent correctement et tout. Là du coup je vais être obligé de faire la vidange de boîte. Et en plus j'ai remarqué aussi que le renvoi d'angle avait commencé à être démonté. Donc il était décalé et franchement j'avais pas du tout, enfin mes yeux se sont posés dessus comme ça par hasard, sinon j'aurais remonté ça comme ça. Donc je pense que je m'en serais aperçu quand même parce qu'il bougeait. Donc ça j'ai refixé ça, j'ai tout remis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, il y aura une vidéo dédiée sur la vidange de la boîte, la DQ500, c'est une DQ500 DSG7 et enfin une S-Tronic. Et qu'est-ce qu'il y aura, va y avoir d'autre encore? Après il va y avoir les essais, c'est moi qui vais faire le rodage. Il y aura les vidanges de rodage évidemment et après voilà, on va passer à autre chose. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que un RS3 terminé, un autre arrive, j'espère, et puis voilà, hein. Donc ouais, c'est bien le premier démarrage, je pense que t'as pu le constater quand le moteur a démarré, tu vois, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, est-ce que cette fois-ci on pourrait avoir le vrai premier démarrage, mais il y a toujours que des vrais premiers démarrages, tu vois. Donc voilà. Que dire d'autre? Abonne-toi, lâche un commentaire, un like, tout ce que tu veux. Si tu veux me contacter, j'ai mis mes réseaux sociaux en début de vidéo. Donc pour dialoguer en commentaire, c'est pas terrible. Donc si tu as une question à me poser, viens plutôt sur Instagram, me poser ta question, j'y répondrai avec plaisir. Tous ceux qui me demandent où c'est que j'ai acheté ça, où c'est que j'ai acheté ci, où c'est quel outil, machin, dans la description, tu auras toutes tes infos. Et puis pareil, si tu veux un sticker sur un t-shirt, hein, la boutique est dans la description. Donc voilà les petits gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le remontage intégral et l'essai routier. Et puis voilà, bon allez, ciao à tous.